Bah c'est tout bizarre ici. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Gifplay. Moi c'est Stalker et aujourd'hui je vous retrouve sur un petit jeu mignon et assez original qui s'appelle Grown Home. Littéralement faire croise... Poula, hein. Voilà, donc débrouillez-vous avec cette traduction. Non, grown c'est grandir, la croissance. Donc faire grandir sa maison, je ne sais pas. En tout cas, vous incarnez ce petit robot qui vient d'être largué. Je suis au tout début du jeu. Je suis largué sur une planète un peu à la Avatar, un peu étrange, avec des îles qui flottent. Et je vais devoir faire croître, voilà c'est ça, croître, voilà, croître cette plante afin de récolter des ressources dessus pour mon vaisseau spatial. C'est un peu farfelu, je vous l'accorde, mais en tout cas c'est très intéressant et apparemment il faut que j'atteigne ces espèces de bourgeons. Voilà, pour essayer de descendre dessus doucement, espèces de bourgeons, voilà, grab the shot and hold tight, donc ça veut dire attrapez-le et tenez bon. Alors oui, alors moi je veux bien grow with her. Voilà. Et on est parti. Oh, on n'est pas allé loin. Et donc voilà, l'objectif va être de monter jusqu'à 2000 mètres avec cette plante. En essayant évidemment de ne pas tomber. C'est un jeu de plateforme, c'est un jeu vraiment atypique. Je viens de commencer, je vais découvrir avec vous. Je suis arrivé sur la plage qui est au bout là-bas, j'ai activé des balises. Et maintenant, il va s'agir de grimper. Alors il n'y a pas 36 000 façons de jouer. Vous pouvez jouer au contrôleur manette ou clavier souris, je joue au clavier souris car mon contrôleur n'est pas reconnu vu qu'évidemment c'est développé par Ubisoft, par Microsoft, donc il faudrait un contrôleur Xbox et je n'en ai pas compatible PC. Alors comment on fait? Hop. Alors comme vous voyez, j'accroche, enfin vous ne le voyez pas mais je vous le dis, j'accroche avec les mains du robot la paroi en appuyant alternativement sur clic gauche, clic droit et j'essaye de faire en sorte qu'il aille à peu près dans la direction que je veux. Voilà, c'est pas extrêmement intuitif, mais bon, vous avez quelques minutes pour vous y familiariser. Et tout l'objectif du jeu va être d'atteindre ces trucs-là sans se casser la gueule. Alors vous voyez, dans le dos, j'ai un petit parachute. Ce sont des fleurs que j'ai récupérées et qui me confèrent par pétale une durée de parachute. Hop, je lâche pour essayer de ne pas glisser. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le robot a une maniabilité totalement à chier. Enfin, plus exactement, il a peu d'énergie. Les batteries sont à plat. Et donc quand il arrive, eh bien, il est... Il est fatigué, il est faible en fait, tout simplement. Ah mais du coup j'ai pas grimpé sur l'autre, j'ai pas allé récolter. Dommage, c'est pas grave, on va essayer. Et du coup, batterie à plat oblige, il ne peut plus sauter et donc il va falloir retrouver des cristaux un peu partout pour lui redonner du jus. Voilà en somme. Et une fois qu'on a dit ça, on a un peu posé un peu toutes les bases du gameplay, le but va être vraiment de monter... Non, ça c'est déployer la fleur, moi je veux... Voilà. Récupérer de la fleur et vous voyez ma fleur est complète derrière, il ne me manque aucune pétale. Voilà un des cristaux d'énergie dont je vous parlais. On va le tirer, voilà. Et ça augmente certaines de mes stats. Je suis à 7% de cristaux. Je suppose qu'il y en a 100 donc, vu que j'en ai trouvé... Bah ouais... 7. Enfin bon, du coup on va essayer d'atteindre la prochaine balise. Et voilà, le but ça va être de monter tout là-haut jusqu'à retrouver mon vaisseau spatial. Comment je vais aller là-bas? Alors sachant que je crois que j'ai fait une bêtise vu que j'ai dû... Oh et puis tant pis, hop, on déploie et on s'envole. Et vous voyez ma feuille, ma fleur pardon, s'use un petit peu. Les pétales tombent, m'aimera-t-elle, m'aimera pas, c'est un peu ça. On va couper et on va continuer à monter. Alors Grown Home c'est un jeu que j'ai découvert complètement par hasard. J'avais suivi un petit peu son développement. J'ai beaucoup de mal à imaginer Microsoft développer un truc comme ça. Je comprends pas très bien ce qui leur a passé par la tête pour faire un jeu aussi mimi. Alors c'est une très bonne idée, hein. Alors graphiquement ça casse pas des briques, c'est là le jeu est évidemment au maximum. Et vous voyez, un peu de mal à le baisser, voilà. Ça casse pas des ronds de chapeau, c'est juste très fluide, très joli, ça surfe un petit peu sur la vague Minecraft cubique. Mais ça reste extrêmement basique, extrêmement simple. Je ne reconnais rien de sa rejouabilité, je pense qu'il y aura d'autres niveaux qui pourront être chargés... Peut-être avec plus de challenge, parce que c'est un jeu évolutif, via les mises à jour, je ne sais pas. En tout cas, moi ça me va bien. Alors j'essaye de prendre la fleur, voilà, il suffit d'appuyer sur F. Ensuite on va essayer d'aller de l'autre côté. Oh la vache. Non, il y a une fleur qui m'a fait un peu bondir, voilà, encore une fois, les hitbox. Et les collisions sont gérées un peu bizarrement, votre robot est un peu bancal. Il a un peu du mal à se déplacer, sa tête est très lourde. Donc du coup, bah voilà. Alors ça c'est des espèces de checkpoints. C'est des téléporteurs, j'en ai activé deux en bas sur mon île de départ, et donc je pourrais m'y re-téléporter si jamais je venais à choir et à tomber dans le vide et le néant. Pour l'instant, on va aller
il veut pas grimper là-dessus. Si, on va aller là et par là. Ah, ça me rappelle aussi beaucoup un jeu que je n'ai pas fait mais que j'ai beaucoup suivi sur YouTube, Octodad. Je ne sais pas si vous y avez joué. Et apparemment, c'était un jeu Grab the Red Flower on a Star Shoot and Connect to an Energy Rock. Tout à fait, mais du coup, ça veut dire que j'ai raté une. J'ai raté un des bourgeons, peut-être. Là, ça va être une chute assez violente si je reste là. Oui, grab the red flower. J'ai compris, mais je n'ai pas trouvé de red flower, donc il va falloir que j'aille la chercher. Il va falloir que j'aille la chercher. Alors, on va redescendre. Voilà, elle est en bas. Hop, on va redescendre tout doucement. Enfin, du moins, on va essayer. Voilà. Donc, c'est un jeu d'escalade, c'est un jeu qui fout un peu la gerbe. Mais en tout cas, je trouve ça très drôle. Et un vrai jeu d'escalade, c'est-à-dire vraiment, si vous lâchez, et ben vous tombez. Alors, ça rappelle un tout petit peu une des scènes de Call of Duty Modern Warfare 2, qui moi m'avait fait galérer d'ailleurs à l'époque. Mais il n'en reste pas moins que c'est original et c'est plutôt agréable de se balader en compagnie de ce petit robot. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller loin là. Là, on va au bout du monde là. Ah, mais il faut que je le guide. Ah, autant pour moi, pardon. Voilà. C'est par là, ma belle. Vas-y. 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 Mince, il n'y a plus de jus. J'ai peut-être fait une bêtise. Ah bah, je vais essayer de faire pousser l'autre, du coup. Hop. Alors, il me demande d'aller sur cette feuille. On va aller voir ce que ça vaut. Et puis sinon, il y a des bourgeons un peu plus bas. Ah oui, d'accord. Donc, à chaque fois que je la fais grandir, ça fait grandir d'autres bourgeons. Il a du mal à s'arrêter. Hein. Ça fait grandir d'autres bourgeons. Extremely elastic, new growth, interesting. Ah oui! Pas mal. Non. Oui, accroche-toi. Ouf. Donc c'est pas si évident que ça. Il faut le savoir. Le jeu est loin d'être évident. Il est vraiment loin d'être facile. D'autant plus que c'est vraiment volontaire cette jouabilité très très délicate, on va dire. Avec ce robot qui peut tomber, qui peut se casser la figure. J'espère... Oui, il y aura une pâquerette sur cette île. Donc je ne vais pas rester bloqué dessus. Voilà. Allez, on grimpe. Allez, mon petit... On va aller par là-bas. Et donc, faut bien faire attention à ce que, voilà, votre robot soit bien accroché, ce que je viens absolument pas de faire. Que votre robot soit bien accroché sur la falaise avant de lâcher, parce que alors sinon, eh ben, vous êtes dans la merde et vous allez tomber. Et j'aimerais pas rester accroché à cette plante. Voilà, on va revenir ici. Je vais reprendre une pétale. Alors, je suppose que le jeu devient plus difficile quand vous croisez moins d'îles plus haut. Moins d'îles plus haut, c'est-à-dire que plus vous montez, moins vous allez croiser d'îles, donc à mon avis, moins vous allez avoir de possibilités de tomber. Alors ça, par exemple, je sais que c'est une plante, je crois, qui est censée s'activer si je lui amène de la lumière. Or, pour l'instant, ma plante, enfin cette île bouge tout et ma plante n'est pas au-dessus. Vous voyez, il y a d'autres bourgeons sur ma plante, donc on va essayer d'y retourner. Allez, on y croit. Voilà, on va se lâcher un petit peu. Et hop, on s'arrête dessus. Alors par contre, il n'y a aucune gestion de vie, aucune gestion des dégâts. Vous êtes juste peinard avec votre plante et vous la faites grandir comme vous le sentez. On va freiner un petit peu et on va essayer de réfléchir. Alors, mon but serait d'atteindre le haut ici. Il faudrait que je connecte ces plantes-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher celle-ci. Et on est parti. Et on va essayer de la diriger. Oh la vache, c'est compliqué. On va la diriger là-dessus, par exemple. On va essayer d'arriver sur le côté. Allez. Voilà. Hop. Hop. Ah oui, voilà, et ça alimente la plante. Ah ah. Ça alimente la plante. Ah oui, et du coup, c'est bien ça. Il faut que je connecte à ces îles qui sont des viviers d'énergie pour la plante, les différents bourgeons pour faire grandir la plante principale. Ok. Ah bah, il suffisait de le dire. Et vous voyez, il n'y a pas grand chose d'expliquer, il n'y a pas de tutoriel vraiment. C'est à vous de comprendre un petit peu. J'aime beaucoup ces jeux qui vous forcent à comprendre par vous-même. Donc le robot est en train de parler. Alors je me demande par contre, si c'est ça, il faut que j'atteigne le... Il faut que j'arrive à atteindre ce qui est là-bas. Du coup, est-ce que le bourgeon qui est là-bas en haut m'aidera plus que le bourgeon qui est en bas? Ça, c'est une question. Ah bah tenez, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de reconnecter à la même île un bourgeon. Allez, hop, voilà, on va se développer un petit peu, on va se croûter. Et on va aller chercher l'autre. Oh, arrête-toi, bonhomme. Alors je crois qu'il a un nom, le robot, mais alors je vous avoue que j'ai pas suivi au début de l'aventure. Le début du jeu est assez simple. Oh là là, c'est difficile à diriger. Allez, on va se planter là-dedans. Non, il n'y a plus de vie là-dedans. Ouais, non. Il n'y a plus rien à manger là-dedans. Bon, c'est dommage. Mais c'est pas désespérant. Oh là là. Arrête-toi, Bobby. Voilà. Et on va essayer de se poser. Hop là.
Ah, vous voyez, j'ai trop serré les deux bourgeons, enfin les deux branches. Du coup, j'ai une feuille élastique qui n'a pas pu se développer. Donc, comme quoi, chaque partie peut être unique, ça dépend de la façon dont vous développez votre plante, en fait. Non, non, mais c'est vachement intéressant. Alors, on va essayer d'aller se connecter là-bas. Allez, on va essayer. Alors, il va falloir faire un petit peu d'escalade. Vas-y, Bobby. Hop. Non, non. Ouf. Galère, galère. Et on va attraper le bout. Et on va la développer. Et on fonce tout droit. Allez. Non, tout droit là-bas. Allez, jusqu'au bout. Allez. Allez, comme on disait à une époque, droit au but comme Trezeguet. Allez, on y est presque. Oui. Et voilà. Et la plante principale grandit et traverse l'île qui m'aurait bloqué. What fears growth marvelous. Marvelous. Ouais. Fears, je sais plus bien le sens, mais le reste de la phrase était grandit superbement, en fait, magnifiquement. Donc c'est ça, plus vous les nourrissez, plus ça grandit bien. Ok, donc on est déjà revenu sur cette île, je vais juste aller me ravitailler avec la pâquerette. Ce qui sera pas très utile d'ailleurs, parce que je vais réutiliser tout ce dont je vais récupérer pour rentrer. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais attraper, voilà. Alors c'est un peu particulier, il faut attraper puis il faut tirer vers soi, on sait jamais bien. Mais il va falloir aller grandir jusque là-haut, parce que ce que je vous propose c'est que je vais atteindre l'autre île. En tout cas je vais essayer. Avec mon petit Wally. Hop, on va lâcher ça. On va voler un petit moment. On se croûte. Mais avec douceur, on n'est pas de bourrin. On grimpe. Et on va rejoindre le tronc principal de la plante. Alors faut que je fasse gaffe parce que j'ai tendance à lâcher avant d'avoir rattrapé quelque chose. Pour quelqu'un qui a fait de l'escalade aussi longtemps que moi, c'est un petit peu paradoxal. Sinon j'espère que vous allez bien sur YouTube et sur ma chaîne en cette période de bientôt de vacances pour avril. On sort des poissons d'avril là, et c'est pas plus mal. Et on va continuer dans la joie et la bonne humeur sur Kifplay, donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous kiffez bien. Récemment j'ai fait beaucoup de jeux, genre Wolf, l'espèce de jeu Chaperon Rouge. Je me suis essayé à 2-3 autres petits jeux qui étaient sortis sur le net, et j'ai trouvé ça particulièrement moisi. Et du coup je voulais pas vous faire de vidéo de jeux que je trouve moisi. Et hop, je tombe sur Growth. Ah, j'ai lâché. Je tombe sur Growth et je me dis, eh bah pourquoi pas. Un petit jeu avec un panorama pas dégueulasse comme ça. C'est toujours sympa. Alors, on va grimper avec la... On va grimper avec le bulbe ou on grimpe avec la plante principale. Ouais, allez. On va se coller un... Est-ce qu'il peut grimper comme ça? Ah, il galère un petit peu quand même. Il est un peu dans le pâté. Allez, Bobby. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors, vous le savez, hein, depuis le temps sur Kifplay, j'adore donner des noms à mes petits personnages. Je les respecte jamais, d'ailleurs, ça change assez régulièrement. Ah, cette maniabilité, elle est pas évidente. Donc vous avez un rond quand vous êtes accroché en face de votre main, et quand vous n'êtes pas accroché, elle envoie moins avec la lumière, avec la luminosité de la plante, mais vous avez la forme de votre main, enfin de votre patte cybernétique, n'est-ce pas? Alors je suppose que pour finir le jeu à 100%, il faut récupérer tous les cristaux. Je suis pas sûr déjà de pas en avoir loupé un au début. J'avais pu remonter sur une plateforme, parce que l'avantage c'est que vous pouvez monter quasiment partout. Donc j'avais pu remonter sur une plateforme pour le récupérer, mais bon... J'ai pas vu encore de code couleur qui m'empêche de grimper sur ces plateformes. Bah non, c'est bon, je peux grimper. Oh la vache! Cette escalade de l'infernal. Ah, accroche-toi. Voilà. Ah oui, du coup, quand vous accrochez un cristal... Eh oui, c'est ça. Le petit risque, c'est quand vous accrochez un cristal... Oh, il y a de l'eau. On va éviter de toucher l'eau, par contre. Quand vous accrochez un cristal, je vais réussir à faire ma phrase, eh bien vous le tenez à la falaise. Voilà. Allez, on va se déplacer sur le côté. On va essayer d'atteindre les champignons. Ouais, c'est bon. Tu tiens. Allez, on lâche. Enfin, c'est cliffhanger le gars, quoi. Il grimpe à des falaises. Impossible. Ah, mais je suis en train de faire une bêtise ou pas? Bon, on va aller voir. J'ai l'impression que si j'arrive trop haut, la plante aura juste la tête et j'aurai pas de bourgeon. Je me demande, hein, je sais pas. C'est vraiment la première fois que je joue au jeu, je découvre avec vous. Donc si ça se trouve... Oh, ce décor, il est génial. Oh, le mec, il grimpe à l'envers. Alors par contre, si comme moi, vous jouez à la souris, vous risquez d'avoir rapidement mal aux mains. Donc n'hésitez pas à faire des petites pauses. Parce que, enfin, ça doit être moi, mais je suis vachement crispé sur la souris pour pas tomber. Parce qu'évidemment, le but du jeu est de ne pas tomber. Je ne crois pas que vous puissiez mourir, mais par contre, si vous tombez, bah, vous devez vous rattraper l'escalade. C'est un peu hardcore jusqu'à la mort, on va dire. Allez, allez petit, allez pour la France. Allez, et ouf. Ah, des potirons. Ah, j'ai mal à la main, sa mère. Et on est arrivé à un nouvel endroit.
Mom, le vaisseau s'appelle Mom. Petite référence à Alien, bien sûr. Fungus, look at all the beautiful festering mounds. Regarde tous ces champignons appétissants. Et parce qu'apparemment, ils veulent se nourrir des ressources naturelles de la planète, ou plus ou moins de la plante. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? The geology of this planet is rather remarkable. Ouais, la géologie de la planète est absolument remarquable. Alors, est-ce que ces plantes ont des propriétés ? Regarde si je l'attrape. Non. Et celle-là ? Ah ah ! Ça me fait voler un petit peu. Bonjour ! Oh, un dodo ! Ah, peut-être que si je déploie ma tulipe là-dedans... Non, ça me fera pas voler plus haut. En tout cas, il y a beaucoup de cristaux à récupérer. Alors, on va en récupérer encore un petit. Hop, 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 hop. Alors, faut vraiment mettre la main dessus au sens propre. Et après, il faudrait que j'arrive à monter sur ces plateformes. Bah, je vous laisserai le plaisir de la découverte de ces plateformes à votre tour. Je vais ressortir pour nous offrir une dernière belle vue. Hop, c'est par là. Toum, 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 toum. On peut ressortir par ici. Là, là, là. Alors après, je pense, c'est mon avis, que c'est un jeu assez génial, finalement, avec un concept assez simple. Hein, mais Minecraft et compagnie nous ont prouvé que les concepts assez simples de jeu étaient souvent les meilleurs. Tiens, par contre, celui-là, j'arrive pas à le trouver. Voilà. Par contre, je pense que c'est un jeu, clairement, vous y jouez pas 4 heures de suite. Ça vous saoule très vite, dans ce sens que le gameplay étant assez répétitif, même si vous avez beaucoup d'occasions de progresser, d'avancer, qu'il faut connecter les bourgeons rouges avec les trucs jaunes, avec les îles jaunes, et qu'après vous avez une très belle vue, je pense que ça peut être rapidement un peu agaçant, je pense même que ça peut être rapidement un peu frustrant. Notamment après la première, je pense, grosse chute, où là, clairement, ça risque de gaver. En tout cas, moi, ça m'est pas encore arrivé, et j'espère que ça n'arrivera pas tout de suite. C'était ma petite vidéo sur Grown Home, j'espère que ça vous aura plu. Je vous le conseille franchement, et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Kifplay. Salut à tous, bye bye. Et moi, pendant ce temps-là, je vais chercher les cristaux.